trucs, y a rien. Continuez. Donc on va continuer notre histoire. On en était où du coup, la sauvegarde c'était là. On venait de commencer le jeu. Pour ceux qui ont loupé, on a vraiment fait que le début. On a fait les 4 premiers donjons du jeu. Et il faut que je me réhabitue un peu aux touches parce que les touches sont vraiment pas intuitives à mon sens. Je trouve les touches vraiment pas intuitives. Donc il faut que je m'habitue à ça et pour l'instant bah, je suis un peu rincé au jeu, c'est normal. Mais on va devenir meilleur. La base de Velocity Tech, c'est rien. Ouais, c'est ça, y a rien. Ça c'était quoi courir? C'était ça courir, ça c'était sauter. Ça c'est bouclier, ça c'est arme. Non. Ça c'est sortir l'arme, ça c'est ranger l'arme, sortir l'arme. Taper normal. Charger pour couper. What, what? J'ai coupé un truc là, y'a quoi? Hein? Y'a pas un objet là que j'ai. Y'a pas découvert un objet? Y'a eu un point d'interrogation, les gars. Là, y'a un point d'interrogation là, pour quelle raison? Ça l'a pété. What the fuck? Oh, voilà. Ah, c'est une sauterelle. D'accord, je me disais bien. Attends, mais c'est quoi ce truc? Donc, je vais aller où, là? Donc, la map, c'est comment? C'est ça. Et je devais aller ici. Je sais pas pour quelle raison. C'est la quête d'Impa. C'est la suite de l'histoire. Je devais aller là. Je venais de faire ce sanctuaire-là. Il me semble que ce sanctuaire-là, je venais de le finir. Oui, donc, il est bleu. Je viens de le finir. C'est nickel. Au niveau des flèches, c'est comment, déjà? Donc, ça, c'est ça. Ok. Et quand je fais pour annuler? Ok. Je peux faire ça. Changer de truc. Bouclier. Flèche. Très bien. Donc là, c'est bon. On est calé. C'est bon. On a nos touches. On vient de reprendre un peu le jeu. On a nos touches. On est bien. On avance. On a des petits champignons ramassés là-bas. Bref, Breath of the Wild, quel jeu de zinzin. Mais tout le monde m'a dit vraiment. Tout le monde m'a dit ça. Moi, pour l'instant, j'adore. Mais tu vois, je suis en mode, c'est très bien. Mais est-ce que c'est vraiment le game of the year? Est-ce que ça mérite son statut de GOAT? Je ne sais pas. Pour le moment, je ne sais pas. Wesh, il fait quoi lui? Alors mon gars, c'est quoi ici? Le monde dans lequel on vit, c'est toujours difficile de savoir ce qui nous attend. Là j'ai vraiment un mauvais pressentiment. Bien. Kito, je te connais pas. N'importe en fait, j'en ai marre de parler tout seul, ça me fera pas de mal d'avoir un peu de compagnie. Dis-moi, ces trucs sont sortis de sous terre? Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu les tours, pareil qu'il y en a partout maintenant. Et c'est pas tout, les sanctuaires qui étaient complètement inactifs depuis des lustres se sont mis à briller. Oui, c'est de ma faute, ouais. Ah non, c'est peut-être pas la fin du monde, c'est qu'on va sauver le monde, il est con lui. Quel machin. Ah ça. Ouais. Un château d'Hyrule juste avant un bosquet. Ok, il te vise avec un pointeur rouge et là il n'y a pas à me discuter, il te poursuit jusqu'à la mort. T'es fini moi mais j'ai quand même pris mes jambes en cou et je me suis caché dans le bosquet. Ah donc tu peux te cacher dans un bosquet. Pour les éviter tu te caches dans un bosquet et c'est bien. Très bien. Attends mais là je vais le fumer lui. Lui on va le fumer. Hein? Toi tu l'as encore plus, c'est comme tu peux voir je m'accroche à la vie. Non mais là si je saute, je suis jamais mort là si. Bon ça va là, je peux sauter facile ici. Oh putain. C'est quoi cette merde? Oh merde. Aïe. Oh mais attends, mais je peux pas le viser en fait, ça le problème. Ok, double esquive. Bon j'ai perdu un peu d'HP, c'est normal. Attends, est-ce que je peux aller jusqu'au bout là? Oh non, j'ai pas de quoi faire. J'ai clairement pas de l'endurance pour aller jusqu'au bout. Après, je peux peut-être aller dans le coffre, là, non? C'est un peu clutch, hein. Non. Je peux pas le prendre, le coffre? Va sauter au-dessus? Je peux pas sauter au-dessus. C'est la merde. Ok. On peut avoir un peu plus de son du jeu, si c'est possible. Oui, oui, attends. Je vais pouvoir te faire ça. Ok, nickel. Je peux monter le son du jeu. Je sais pas si c'est mieux pour vous là au niveau du son du jeu. J'ai monté légèrement, ça devrait être ok. C'est quoi comme arc déjà? On est où du jeu? Bah, je suis au tout début hein. Début du jeu. Comment je fais pour changer d'arme déjà? C'est quoi déjà? C'est flèche de droite, c'est ça. Et les arcs, tu peux pas les jeter. Tu dois passer par l'inventaire, c'est ça? Y'a que les épées que tu peux jeter pour sauve d'armes.
Bouclier et arc, tu passes par l'inventaire. Non. Le fumier, un oiseau ou pas? Ah, c'est pas un oiseau, c'est une sauterelle, non? Et je suis chaud. Et cool, c'est que je vise bien dans ce jeu. Et merci à toi, Marc, pour ton don de 5€. Et là, les gens qui n'ont pas joué à FF pour dire ça, vraiment. En fait, les fans de Nintendo sont des dégâts qui touchent les jeux Nintendo. Mais bon, FF, c'est à des années-lumière. Alors, tu vas pas te faire des amis. Je suis d'accord avec toi. Mais je pense que nous ne sommes pas objectifs. Parce que, voilà, en tant que bon fanboy Nintendo. Enfin, bon fanboy Square Enix, pardon. On ne peut pas être objectif. Il me voit pas là. Merde, je suis trop loin. Y'a pas un truc où je peux faire péter avec un. Avec une bombe là? What? Quoi? Même deux cœurs d'un coup? Oh la dingue. Oh la dingue. Ah ouais, ça fait mal quand même là. Les bleus, ils tapassent. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Surtout que je fais une run full 3 coeurs, là. Run full endurance. En première expérience de jeu. C'est peut-être du suicide, mais tranquille. Ah. Où sont les autres cons, là? Je peux pas les faire péter avec une flèche enflammée, genre? Comment je fais pour changer les flèches? C'est là. Flèche de feu. Oh non, flèche explosive. Merde. Eh, ça va. On les a fumés. Tranquille, tranquille, les gars. Tranquille, les gars, voilà. Ta-da-da-da-da-da-da-da. Massue beaucoup, on s'en fout. Massue, on s'en fout. Attends, bat et massue, c'est pas pareil. Ah, bat et massue, c'est pas pareil, donc attends. Imagine que je prends une autre arme. Ça fait moins de dégâts qu'une masse. Après, j'ai mon espadon qui est bientôt pété, mais bon. De toute façon, tu le vois au niveau de la flèche, si jamais ça fait plus ou moins de dégâts. Attends, mais je peux ramasser, je peux fumer cette... ça, là. Attends, mais il a disparu. Cette merde, comment ça il a disparu? Ils sont là, on veut pas. On va aller prendre le coffre. On va aller péter ça vite fait. Hein. On va peut-être péter notre arme, mais au moins on va prendre des trucs qu'il y a dedans. Nice, full thune. Tant pis pour l'espadon enrouillé. Un petit steak. Après, en soi, les gars, y'a pas de débat à voir, hein. Vous avez le droit de préférer Zelda ou Final Fantasy. C'est deux jeux qui sont très différents. C'est fine. Moi, je préfère Final Fantasy à Zelda, mais pas pour autant que je dis que Zelda, c'est la merde, loin de là. C'est même très très bon. Ah. Quoi? Ok. Oh, du crabe grillé. Merci, monsieur. Grand merci, monsieur. La thune, on verra ce qu'on en fait après. Pour l'instant, on ne sait pas encore ce qu'on a fait de la thune, mais tranquille. Alors, je dois traverser ce bout de mer. Bon, ça ira, non? Un petit meuble, là. Hein. Ça comme meuble, attends. Une grenouille. Bon, pour l'instant, on l'a bouffé tout. Oula, je passe, là? Ah, je suis sur place, là. Oh non, je suis sur place, attendez, j'ai gaspillé de l'endurance là. Oh, je suis pas sûr de passer, hein. Je pense qu'il va falloir que je fasse le tour. Ok, on va voir. Tu sais quoi, on y va. On spam B. Ça passe jamais. Ça passe jamais là. Ouh, ça passe. Évidemment que ça passe. Les points d'endus, hein. Les points d'endus qui passent, les gars. Hein. Eh oui. C'était chaud quand même, hein. J'avoue que j'ai eu peur. Hein. Il y a un petit moment de crainte. Hein. C'est un mode de merde.
Merde, j'ai pété la gelée. Ah, si tu taffes sur le loot, ça le déchire. Attends, mais what the fuck. On va prendre du petit poulet, là. Ok, bon, on va pas prendre trop de poulet. On va en prendre un peu, c'est déjà bien. Y'a quoi comme camp, là-bas? En fait, je comprends que les gens mettent du temps à finir Zelda, parce qu'en fait, t'as trop envie de te balader partout. Je sais pas si ça vous a fait ça, vous, quand vous avez découvert Zelda. Mais je vous jure que... je suis vraiment... là, j'ai envie de faire tous les camps, j'ai envie de taper tous les mobs, j'ai envie de faire toute la bouffe. Je dirais pas que c'est un enfer parce que c'est trop bien et que j'adore ça. Mais ça fait que tu mets encore plus de temps à finir le jeu. Et merci à toi Sylvain Durif pour ton nom de... pour ton sub grâce à Twitch Prime, merci. 60 heures pour finir le scénario principal, t'inquiète. Mais en vrai, si tu rushes le scénario principal, tu mets beaucoup moins de temps, non? Et là, tu fais genre 30 heures max. Ah merde, je vais peut-être pas traverser en fait l'eau. Et toute la map pour finir l'histoire. Bon, je vais peut-être pas abuser à ce point-là. Tu vois tous les petits camps de merde là, on va les faire. C'est quoi cet endroit? C'est bon ou pas? Il va y avoir de la graille. Dans le puits, il y a forcément un truc. Dommage. Un truc à faire. Hein. Bon, il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose à faire ici. Les trucs des fois, si jamais vous voyez que... le seul truc où je me dis, wow, si vous voulez spoil, bon, allez, à la limite, faites-le en mode discret. C'est quand il y a des les noix, là, les korogu. Vous pouvez faire un chaud froid, des trucs comme ça, c'est fine. Parce que de toute façon, j'ai pas prévu de toutes les farms. Hein, les, doutez bien qu'il y en a je ne sais pas combien apparemment dans le jeu. Bon, je vais peut-être pas réussir à tout farmer, mais c'est normal. Mais je suis d'accord que oui, de toute façon, c'est les tours que je vais voir pour pouvoir voir la zone au moins. Poulet. Oh mais non, putain, et comment il est grave pas bon ce poulet. Ok, on y va. Pas mal la match de Pokémon Écarlate, hein. Comment le jeu, il est fluide maintenant. Une dinguerie, hein. Flèche dans la tête. Oh, il y a un petit camp là-bas. Oh, il y a un gros camp même, j'ai envie de dire. Pose-en. What? Ah oui, c'est ça, ok. Ok. Tentacule Octo. Vous parlez des remèdes. What the fuck? Il est sur une vache, lui. Oh, je suis chaud. Ma flèche est pas partie trop loin, ça qui est cool. Je suis big le doux. Merci monsieur. Je voulais pas tuer le cheval. Attends, par contre, est-ce que je peux récupérer le cheval? MG. Oh, MG le cheval, par pitié. Reviens là. Je vais être discret. J'ai dit une vache, hein. Je sais pas, j'ai pété un plomb. Hein. Okay. Je peux. Oh. Let's go! C'est mon cheval. Attends, je peux pas écraser les gens avec mon cheval? Oh, c'est super chiant à manier. Oh, c'est l'enfer à manier. Ok, faut prendre le l'habitude. En fait, c'est par rapport à sa droite à lui. Attends. Ok, je peux écraser les gens. Pardon. Putain. Vite, passe, pars. Ok. Recule un peu. Et je vais écraser l'autre. Ok, on y va. Et c'est parti, c'est raté, let's go. C'est pas grave, ce sera lui au fond. Ouais. Putain, j'ai raté tout le monde. Tourne! Mais par pitié, tourne à droite! Voilà, et là on va tout droit, et là tu l'écrases. C'est magnifique. Aïe! Ok. Vas-y, mon cheval, avance. Par pitié, avance. Par pitié, avance. Avance, wesh! Voilà, fantastique. On est en train de clear le camp. Hein. Je suis pour descendre de ce cheval là d'ailleurs. Ok, comme ça. Et toi, ta gueule. Ok, hop, on lance ça, hop, on explose. Oh putain, y en a plein.
Oula. Oula, c'est la merde là. Ok. Ah, c'est la merde là. Oula, ça fait du mob là quand même là, non? Oula là, les gars. En plus, ils attaquent de loin ceux qui ont les pieux là. Faut que je les esquive de côté. Esquive côté. Hop. Boum. Voilà. Nickel. Bon, au niveau des armes, qu'est-ce que j'ai là? Ça a plus ou moins de dégâts? Genre le lancer. Ouais. Péter toutes les caisses comme ça, ça me fera des thunes. Ah, y a des trucs pour péter, ok. Il y avait, comment dire, il y avait des barils explosifs sur le côté. J'aurais dû péter ça. Et je les aurais aggro ici. Si j'avais aggro là-dessus, c'était win. Une massue, ça doit suffire ça. En fait, c'est des armes. Ah non, ok. Il faut des armes plus lourdes que ça. Genre une petite massue, c'est pas assez lourd pour péter le truc. Très bien. Attends, et si je prends ça et que je jette ça, imaginons. Genre sur un truc explosif. Ok, c'est raté. Mais imaginons, je le prends bien là. Ok. Approche un peu. Putain, c'est raté. Attends, mais je vais prendre ça pour le relancer, attendez. Lancer dans la zone là. Attends, mais non, c'est où? J'ai même pas besoin en fait. Poser. Juste besoin de faire ça. Il y a flèche en feu. Ok, flèche en feu, c'est mieux quand même pour ça. Mais ils ont pas perdu du tout de vie là en fait. Oh, putain. What? Non. Mais frérot, comment ça deux cœurs d'un coup? Ils font trop mal, ces cons. Non, je les ai pas one shot avec le baril, je suis dégoûté. Ah, c'est que je veux faire des roulades pour aller plus loin, mais je vais pas assez loin. Putain, je suis low! Tranquille. Mais attends, mais ils ont spawn! Pas grave. Maintenant, là, la tech, regardez. On aggro tous les mobs. On aggro tous les mobs de la zone. On les amène là. J'ai une souci. Non. Ah merde. Hop là. Ils peuvent nager ou pas hein? Ok. Oh merde, ils peuvent carrément nager. Ah merde. Tranquille. Ok, venez. Qu'est-ce qu'ils foutent? Venez. Non. Mais ah. Comment ça, découverte? Ouais, bah écoute, je découvre le jeu. La mission kamikaze. Non, non, mais je vais y arriver, t'es fou. Moi, j'ai un bon on. Je suis une salope, moi. C'est mort. Je vais voir si ce clan va pas être clear. J'ai obligé, il me faut un peu de sucre, attendez. Un petit bonbon Lucy, hashtag ad. Magnifique. Allez, on y va. Combien de morts à la fin du stream, on verra. Est-ce que je fume lui déjà? Si lui, il appelle pas ses potes, on est bon. Voilà. Oh, j'ai pas le temps. Ok, ils font deux coups.
Ok. Ok, big. Est-ce que ça a la value de faire ces camps en fait depuis tout à l'heure? Parce que là je suis en train de les faire, mais est-ce que c'est vraiment value? J'ai pas perdu tant de vie que ça. Oh, il s'est tiré dessus. Il est con. Oh merde, j'ai pas le temps de le ramasser. Ouais, ça fait pas de dégâts en fait. Ok, faut que je choisisse une arme. On a massu. Oh! Non! Non! Ok. De toute façon, il peut pas taper au corps à corps, c'est un archer. Bon, par contre, la masse 4, ça fait pas de dégâts, hein. Ok, c'est clear. Bah voilà. Il suffisait de demander. Il suffisait de demander, c'est bon. Ça, ça m'a saoulé, hop. Cette arme est trop nulle à chier. Après, une balle, c'est bien, je pense. On va ouvrir les coffres. Voilà, c'est ça que je voulais prendre, moi, depuis le début. C'est ces deux coffres-là. Un peu d'ambre, et on est bien. Récupère des ressources, des armes décentes, puis le jungle. À la fin, te file full dopamine. Ok, de toute façon, on va un petit peu tout ça, hein. Ok. Les flèches, il m'en faut. Oh, poisson magnifique. Peut-être que je songe à me heal un moment aussi, ce serait pas mal je pense. Je fais un hit pour taper les deux. Magnifique. Oh putain, non. Merde, j'ai pas d'armes. C'est vrai qu'il faut prendre le réflexe de prendre des armes à chaque fois. Ok. C'est sans Zelda a commencé avec beaucoup de temps. Non, ça a commencé, bah là, il y a quoi, peut-être une petite vingtaine de minutes, je dirais, aujourd'hui. Et j'avais fait déjà 2-3 heures la dernière fois, donc on est vraiment au tout début quand même. Attends, est-ce que je peux prendre le caillou et le jeter là-dessus pour péter le truc? Ok, non, il semblerait que non. Après, est-ce que je peux prendre le caillou de la hauteur? De toute façon, après, attends. Je peux prendre des bombes aussi, non? Bon, je pense que bombe, ça pète le truc. Ah oui, ça pète, mais c'est un peu plus chiant, quoi, donc... Autant péter ça avec ça, et ce sera beaucoup plus simple. Hein. Prendre des battes, ce sera beaucoup plus simple. Pas d'autres objets ici, non? Ok, il y a juste un truc là-bas à péter. On sera bon. Le vieil épieu 2. Le problème, c'est que ça pète un seul truc, quoi. J'ai rien dit. J'ai rien dit, ça a tout pété, mais pourquoi il n'y a pas d'objet? Est-ce que ça n'a pas explosé les objets aussi? J'ai l'impression que c'est pas optimal, quand même, ce que vous me dites de faire, hein. Et j'adore les pommes. Oh, le problème c'est que c'est là-haut en fait. Attends, c'est où sur la map? Ah frérot, mais le problème c'est qu'il faudrait à la tour. Il faudrait que j'aille à la tour de guet pour pouvoir le truc au moins. Je vais prendre le cheval. Oh, merde, attends. Je suis chaud. Ah, ça tourne pas assez vite la caméra. Oh. Le bouffe. Si bien. Je vais prendre le cheval et je vais bouger. On n'a pas besoin de taper tous les mobs non plus. Après, on peut quand même les taper tous, ça va. De toute façon, faut que je me libère de mes items de merde. Ok, est-ce que mon cheval peut... Oh, attends. Peut-être aller là-haut et faire un... Ok, c'est bon, je sais. Je vais là-haut, je fais mon truc de voile et c'est fini.
Un démon, c'est que ça les éparpille partout, ouais, du coup, la flemme. Hein. D'accord, moi j'ai le marre de trouver du taf. Bah, écoute, si jamais on recruterait, j'aurais été en mode show, mais là, compliqué. Tu recharges dans quoi, j'avoue. Voilà, si je saute et que je vais au fond, c'est bon, non? Je pense que je vais aller. Je vais aller en bas là. Ah, il y a une tour là-bas, bah, c'est là-bas que je dois aller. Cette tour-là. Et du coup, j'avais un chemin ici, juste derrière. Pourquoi je prends mon truc là? C'est FF. Oh, je vais tomber dans l'eau. Oh non, c'est mort. Oh non, c'est Big FF. Oh, ça sert à rien. Ok, les gars. En fait, là, c'était un flop. J'aurais pu arriver là-dessus, là-bas, je pense. Il doit y avoir un truc sur le caillou. Il y a forcément un truc sur le caillou. Ok. Les gars, on va aller sur le caillou. Oh, un petit escargot. On est bien français ici. Hein. Ici, ça graille les escargots, il n'y a pas de problème. Hein. Non, non, il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc. Il y a fait confiance, il y a un truc là-bas. Je dépense non plus toute mon endurance, sinon je suis finito. Attends, mais là, le truc, il est sous l'eau maintenant. Quoi? Il y a eu la marée, là? Mais le vent, il est vers où? C'est FF. Ah, c'est peut-être pas FF. C'est peut-être pas FF. C'est pas FF, hein. Ok. Il y a un truc sous le caillou, c'est sûr. Il y a un truc sous la caillasse. Ah, voilà, c'était obligé. C'était obligé. Oui. Désolé, mon ref. C'est chaud là, non? Ah, c'est une noyade là pour. Ah, ça va. Ok, big. On va prendre la vision de la tour. Et comme ça, après, on pourra se balader tranquillement sur la map. Sans avoir de grosses, grosses galères. Y va. Bon, j'aurais dû prendre le cheval finalement, mais bon, tranquille. Eh ouais, les gars, hein, on est solide, hein. C'est vrai qu'il y avait un truc bizarre sur ce caillou. C'était évident! Vous allez voir hein, si on trouve pas finalement toutes ces noix. Hein. ça part sur on fait l'histoire. Ah, on fait le jeu en 100%. Ça risque d'être. Ça risque d'être un peu plus long que prévu, je crois. Impossible. Non, c'est faisable. Hein. C'est faisable, c'est juste super long, quoi. La fameuse tour. J'ai dû sauter de là-bas quand même. Hein. Bon, après, ça change pas grand chose, Imo. Tour des monts Géminé. Ouais, je peux monter quand même. Attends, mais c'est super chiant là, non? Oula, j'ai peut-être fait le con là. Ok, saut vers la droite. Ça a failli être une catastrophe, les gars. Ça a failli être une catastrophe, hein. La livre avant, c'est vraiment trop long, ouais, ouais. C'est faisable, mais vraiment casse-couille de revenir sur les noix à la fin quand tu sais pas lesquelles t'as déjà prises. Bah, surtout qu'il y en a combien? Il y en a 1000, non? C'est ça qui est relou. Oh, c'est pareil, c'est relou. Mais je peux pas monter, là. Oh non, j'ai peut-être grid. Oh, ça va. Ok, ça va. Donc là, on met notre tablette dedans. Ça nous donne la vision d'ensemble. On prend le DLC de la tour. Nickel. Quelle dinguerie ce jeu, faut que je relance. Hein, mais le jeu est cool. Hein. C'est vraiment un jeu qui est sympa, je trouve, à faire. Après, je vais pas faire non plus tant d'heures que ça aujourd'hui. On va faire quoi, 5-6 heures sur le jeu aujourd'hui, vu qu'on a fait quand même. Bah, peut-être un peu plus, allez, peut-être 6-7. 7, on verra. Allez. Je m'arrête vers 18h, 19h environ sur le jeu aujourd'hui. Parce que après, il y a l'anniversaire de Narcus qu'on fait chez lui, donc ça va être cool. Et il faut que je fasse une sieste avant, parce que vu que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, je vais être crevé sinon. Ouais, ça se voit, il est un beau jeu. Oui, ça a l'air d'être un très beau jeu, en effet.
Ok. Nouvelle fonction est également disponible. C'est quoi la nouvelle fonction? Localiser les sanctuaires initiatiques. Ah, oh, ça c'est magnifique ça. Ok, donc là c'est activé. J'ai les sanctuaires activés. Est-ce que je vais faire la même chose? Ok, donc là il est activé. Il y en a un à côté. Non? D'accord. Sanctuaire à proximité. Bah, du coup, pas, pas de sanctuaire à proximité. Hein. C'est quoi déjà pour regarder? C'est ça. C'est ça, si j'en vois un, comme au début, eh bien je le marque et on est bien. Ah, c'est que là, je n'en vois pas, là. Il n'y en a pas en hauteur, il y en a forcément en hauteur. Ils aiment bien foutre des sanctuaires en hauteur, ces bâtards. Ah, il y en a en bas. Ok, il y en a un par là-bas. Il y en a un par là-bas, il y en a un derrière. Il y en a un dans le creux là-bas, ça veut dire. Ok. C'est là que je suis en train de me balader vers un sanctuaire. Ok, what the fuck. Bon. Ça, ça se prend ça, non? Pas de ressources à prendre. Ça, ça se casse, j'imagine. Ça se casse, je pense. Attendez. Partir un marteau. Je peux pas taper. Non, ok. Une bombe. Ok, c'est moi ce qui me semblait. Ça se voyait que ça se pétait. Il y a un mob en bas, on va le tuer avec une petite bombe. Hop. Ouh, lance fort, hein. Ah, c'est un mob, ça, c'est sûr. Ok, c'est peut-être pas un mob. La range à bombe, ça va, hein. La range à bombe, c'est pas si grand que ça, donc c'est ok. J'suis en train de me faire feinter par le jeu, là, non? Ouais, c'est quoi ces gros poissons, là? Ah bah non, voilà, c'était sûr, voilà. Ok, on l'a bien trouvé celui-ci. Ça va quoi les minerais? Je sais pas, mais ça doit servir à faire des armes après, j'imagine. On ne donne aucun conseil, d'accord, sauf si tu demandes. Ouais, ouais. Après, vous pouvez toujours rigoler sur ce que je fais et tout, mais il n'y a que dire, ah bah tiens, faut faire ça. Bon, c'est peut-être un peu chiant. Après, il y a d'autres manières d'aider. Hein. Tu peux dire, attention, là, tu peux peut-être faire quelque chose par là, des trucs comme ça. C'est différent. Et merci à toi, monsieur Lyance, pour ton deuxième abonnement. Question de timing. Ah, d'accord. Ouais. Ça va faire ça. Ça va mettre la boule dedans. Oui. Ça va ramener le truc là. Ok, donc après juste à sauter dessus. Du coup. Après il faut que je retire la boule. Ah non, la boule, le truc revient direct. Ok, c'est pour voir un peu les mécaniques du truc. Très bien. Ah bah si j'arrive là... Est-ce que je peux bouger la boule déjà? Merde. Oh, attention. Bon, ça, la boule, elle est là, elle est finito et elle ne bouge plus. Très bien. Ok, je vois. Ok, j'ai compris. On va faire le test. Hop. Où est le coffre? Il y a forcément un coffre par... Par machin. Donc là j'ai toujours pas pris de coffre, hein, tranquille. Merde. Fais revenir le truc s'il te plaît. Merci. Ensuite on va sur l'autre plateforme. Je suis au même stade que ça. Ah, tu viens de commencer le jeu toi aussi ça veut dire. Alors là ça va faire tomber le truc.
Ok, je vois. On va le faire revenir de l'autre côté. Non, là, c'est mort. Ok, je sais. Je sais, j'ai compris. Tranquille. Ah putain, je savais que c'était le truc. Ouais. Attends, si je fais ça, ça fait descendre le truc aussi. Est-ce que je peux mettre une bombe dessus? Est-ce que je peux mettre une bombe dessus? Non, ça ne marche pas. Comment je fais pour aller là-bas? Je vais laisser un truc. Pas le bloquer ça. Ah ça je peux bloquer par contre. Sans ça je peux bloquer. Ok je peux bloquer ça. D'accord, c'est bon. J'ai alors. Je l'ai. C'est-à-dire qu'il faut que je mette dessus. Non, non. Putain. Fuck. Faut que je mette dessus. Que j'attende que le truc parte et après derrière je bloque. Putain, je peux pas le bloquer les deux. Je peux pas bloquer les deux. Bon, arrête. Ok. Ok, bah voilà, c'est bon. Nickel. Bandade d'escalade, ça on veut mettre ça par contre, hein. Ça, on veut mettre le bandana d'escalade en équipe, évidemment. Derrière, on peut y aller. On a... Est-ce qu'on a les deux les coffres? Je sais même pas si on a deux ou si on a un. Il y en a un seul, donc on a le timing. On a l'icône de coffre débloquée ici, c'est parfait. Des caisses en bas. Des caisses en bas. Si je vais en bas, je peux remonter ou pas? Je suis en bas, je suis stuck, là. Il y a une échelle, j'imagine, derrière. On va voir. Une échelle ici, donc ça, je suis pas stuck alors. J'aurais pu prendre ça et le déposer là-bas? Attends. Ah. Ah ah. Bon bah écoute, je sais pas à quoi servaient ces caisses. Elles servaient peut-être à quelque chose, mais bon, tranquille. Les caisses c'était aussi pour bloquer le bouton, mais bon. Ah ! Bah écoute, on a procédé à une autre d'une autre manière et c'était tout aussi bien, voire mieux. Donc, ça me va. En fait, on a juste speedrun le truc. Merci, merci. Merci pour cet échantillon de bravoure. C'est trop bien les sanctuaires, les petits donjons comme ça, c'est trop lourd. Hein. Franchement, j'aime bien ce côté un petit peu escape game, tu vas un peu réfléchir, dire ah, tiens, comment on va résoudre cette énigme et tout. Et 100%, il y a un milliard de méthodes pour pouvoir résoudre différentes énigmes. Et c'est trop cool. Alors, où va-t-on aller? Il y en a, ils sont vraiment durs. Ah, c'est sûr, mais tant mieux. Et merci à toi, Baybouche, pour ton sub. Attends. Poisson là, ça, poisson. What the fuck, la vie qu'ils ont? What the fuck? Attends, ça c'est la merde là. Est-ce qu'ils vont sur la terre ferme? Ok. Hey. Ok, ils font mal quand même. Non, c'est chiant. C'est chiant à tuer. J'ai une arme de merde en plus, donc... Ouais, non, c'est trop lourd. C'est trop lourd. Le poisson, pour l'instant, c'est un peu chiant. On ira les tuer après. Je pense qu'on peut les tuer. On les tuera après. Attends, mais ils viennent vraiment chercher. Quoi, vas-y, si on tue, on tue. Fou, lui. Oh. Oh. Je focus l'autre, moi. Je focus l'autre par pitié. Ok, un en moins. Ah, c'est que ça me baisse mes flèches, quoi.
Les objets par pitié. Laisse-moi voir mes objets. Bon, ça va, ça suit, hein. Ça suit tranquille, hein. C'est juste un peu chiant à tuer, mais. Ça suit, hein. Bon, le problème, c'est que je ne sais pas viser, mais bon, ça, c'est. Ça, c'est autre chose. Ok. Laisse-moi mes objets par pitié. Des poissons, je vois pas la même chose que toi. Oui, c'est pas vraiment des poissons, hein. Je me suis peut-être un peu fait chier à les tuer pour rien. Ce qui est possible. C'est pas grave. Donc je vais aller où ici? Parce que bon là, voilà, je me perds un peu. Il y a un poisson par contre. On va dire que c'est des poissons. Hein. Bon, son objet est parti dans le néant, tant pis. Jusqu'à spier un milliard de flèches. Mais j'espère qu'après tu peux crafter des flèches. Ah, il y a un truc qui brille là-bas, attends. Ah, ceinture à proximité, très bien. Ça. Non. On va sauter dessus. Ok, bon. Alors j'ai un épieu mais on s'en fout un peu. On a pris un javelot. Nice. On peut faire de la bouffe, attends, on peut faire de la graille. On peut faire de la graille. Non, c'est comment qu'on cuisine? C'est en faisant ça, non? Attends, j'ai pas des recettes? Imagine, je prends une pêche d'irule. On met avec ça. Il y a une petite sauterelle. On va prendre avec... Merde. Annulé. Il faut que je prenne les bons trucs. Alors on va prendre un petit poisson. On va prendre un petit poisson. Avec ça, on va prendre une petite sauterelle. Avec ça, pour mettre un petit peu de sauce, un petit peu de goût, on va mettre un petit peu de gelée chouchou. Derrière, on va rajouter eh bien, des petites herbes, évidemment, pour accompagner le tout. Et avec ça, eh bien... on va rajouter quoi? Un petit peu de champignons. Un petit peu de piment, tiens. Histoire d'ajouter un petit peu d'épices au jeu. Voilà, et on cuisine ça. Ah. Après, ça donne quand même 2,2 cœurs, hein. C'est beaucoup. Hein. Ils sont en train de dormir, ok. Comment je fais pour changer d'arc? Là. J'ai plus que des arcs de merde, je suis dégoûté. On les a bien explosés. Tu veux chercher une arme lui? Non, non, t'as pas le temps. Allez hop, viens. Ah, le javelot s'est brisé direct. Abuse. Merci. Merci à toi, Antolive, pour ton deuxième mois d'abonnement. Merci. Objet de monstre avec objet de monstre comestible. Avec comestible. Attends, mais c'est pas comestible le morceau de monstre, non? Ok. Eh, vous savez quoi, de toute façon, là, on est en full découverte, hein. Oh, un boomerang! Ouah, ça serait trop bien ça. Stylé. Par contre, ça, hop, on jette. On va prendre cette épée de soldat. Là, je suis en train d'aller vers un sanctuaire. Okay. Là, il y a un truc pour sauter. Le sanctuaire, il est en hauteur. Attends. Non, si je vais par là-bas, c'est pas bon. Si je vais par là-bas, c'est bon. Si je vais par là, c'est pas bon. Non, là-bas c'est pas bon, donc c'est par là-bas. L'endroit le plus optimal pour mon sanctuaire, c'est là. Voilà, bah c'est là, nickel. Tranquille les sanctuaires, on les trouve easy. Quoi ça hein? Escargot, ok. Je peux pas passer en fait, si. Passer au-dessus, non? Ça met des dégâts. Ok, bon. Il faut un grand jump. Ou alors un animal. Il faudra un cheval peut-être, non? De toute façon, je m'approche de là vers là où je dois aller.
Alors, tu es qui, toi? Salut à toi, Sagessa. Parfois que tu voyages, ouais. Le grand fleuve a laissé des traces en Hyrule. On ne croirait jamais que le monde a failli basculer dans le néant. Les gens sont partout dans la jaune, machin. Ok, très bien. Elle me raconte sa vie. Après, on a préparé des remèdes, ok? Vas-y. Ouais, insectes et viande de monstres, d'accord. N'ont pas d'effet sur ta jauge vitale, mais ils peuvent améliorer ta capacité en augmentant ta vitesse, par exemple. Wow. Du coup, d'autres remèdes améliorent ta résistance au froid et à la chaleur. Du coup, elle va me donner des recettes. Ah, bah non, elle me donne juste un remède. Ok. Un morceau de monstre et un lézard tempo. Ok. D'accord. Bah, de toute façon, après, juste aller en hauteur, non? Je vais là-haut et c'est bon. Là-haut et je prends mon... Comment dire? Ah, le problème, c'est qu'après, une fois que je suis là-bas, je suis stuck. Je suis stuck. Je suis stuck de ouf, step bro. Ok. Ça, c'est bon. Rêve bizarre pour un mage noir. Bah non, c'est normal. C'est une rêve normale. Je sais pas si t'es... Imaginons, je sais pas, t'as demi-frère, demi-sœur et tu peux être stuck. Ou tu dis I'm stuck, step bro, normal. Y'a pas de... Y'a pas d'allusion bizarre, quoi. Enfin, c'est toi qui as des références bizarres. Moi, je vois pas de quoi tu parles. Voilà. Moi, je te dis, je vois pas de quoi tu parles. Moi, je suis quelqu'un de pur. Quelqu'un de... Voilà. Bref, allez. On va parler du coup de... Ouais, le donjon, là. Le sanctuaire, tout ça, c'est stylé, ça. Wesh. C'est au pied, créé. Merci. Wesh, arrête de siffler, par pitié. Ferme là. Attends, est-ce que je peux faire des trucs là-dedans? Non. Ok, bon, j'étais pas prêt à ça. De toute façon, on a juste perdu un cœur, on n'est pas mort. Là, les gars, on a juste perdu un cœur, on n'est pas mort. Non, mais là, je... retirer le truc. Oh, le péter le truc. Pourquoi je peux pas le viser? Est-ce que je peux le bouger derrière? Hmm. Je peux pas faire un pilier sur le côté? Encore peut-être parce que j'en ai déjà un. Je peux pas annuler le truc. Pourquoi je peux pas le péter le truc? Non, viser sous tes pieds encore. Ah ouais, d'accord, c'est pour ça. Ok. Ok. Et du coup, logiquement, oui, c'est ça. C'est ce qui me semblait. Ouais, c'est ce que je voulais faire, mais vu que je n'y arrivais pas, je t'en veux. C'est bon, bah écoute, tant pis. Ce qui me semble logique, du coup, ok. Et derrière, on essaie de monter, quoi. Attends, est-ce que je peux grind sur ça? Ouais, je peux grind là-dessus. Parce que j'ai l'impression de pouvoir sauter dessus et de pouvoir... Ok. Ok, bon, je peux, mais il faut que je sois peut-être un petit peu plus... peut-être un peu plus bas, quoi. Peut-être un peu plus bas que ça. D'ailleurs, on va peut-être commencer à soigner, hein. C'est pas mal de soigner aussi. On adore les pommes. Peut-être mettre plus bas que ça. Est-ce que je peux en mettre deux d'ailleurs? J'en ai d'accord que je peux en mettre deux, des trucs comme ça. Donc je peux faire un petit escalier, quoi. Ok, bon, ça, ça va. Pas de problème pour celui-ci. Oh, 50 rubis! Waouh, la thune! Ok, donc on a un coffre. Est-ce qu'il y en a encore un autre? Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a qu'un seul dans cette zone. C'était très facile. C'était très facile, ce coffre. Maintenant, on va voir le reste du donjon. On est là. Les gars. Il n'y a pas un truc que je suis censé pouvoir bouger ici?
Merde. Ça va peut-être le bloquer. Ah, ça va peut-être pas passer justement, je pense. C'est ce qui me semblait. Peut-être juste le bloquer. Merde. Ah. D'accord. Okay. Si je mets un peu plus à gauche, normalement, ça va se bloquer dessus, mais ça va quand même glisser normalement. Non, ça se bloque. Il faut que j'arrive à le faire tomber là. Le truc là. Est-ce que je peux le faire tomber là-bas? La physique, ça va. Ouais, pas de ouf là. Non, là c'est mort. Là ça va tomber en bas. Je mets plus aussi là. Alors, gyroscope, non, t'as la visée, gyroscope ne tremble pas. Ah oui, en effet! Putain, j'ai le gyro! La merde. Attends. J'ai aucun chef pour retirer le gyro, bien vu. C'est super chiant. Ah bah oui, voilà. Allez, ça... Ah oui, putain, c'est mieux! Oh! Wouah! Comment on est bien là? Même si je bloque là. Faudrait que j'arrive à le faire glisser. Faudrait que j'arrive à le faire glisser, mais le problème c'est que je vais le mettre par là. Déjà, faut que j'arrive à le faire tomber. Et après, je veux juste qu'il glisse. Tu vois qu'il glisse genre doucement, tu vois. Ok, je sais. Non, je sais. Les gars, je sais. Non. Je peux pas le mettre. Oh non, je sais pas. Je sais pas du tout en fait. Ça pète le truc? Je sais pas du tout, les gars. Je sais pas du tout. Attends, il faut que la boule elle arrive là-bas à terme. Oh, mais c'est trop facile comme ça aussi. C'est trop facile comme ça. En fait, c'était le seul truc. Facile, hein. Moi je vais le faire en mode bouge. 100% on peut le faire quand même. Ah mais je sais, mais je vais essayer de le faire là maintenant comme ça. Essayer de le faire glisser. Et là en vrai oui, sinon je le bloque et c'est game tu vois. Je fais ça, oui. Ok non c'est ça, il y a que ça. Hein. Ah merde. Attends mais il est quand même tombé. Wesh. Je suis figé. Je pète un truc là-haut, je pense, peut-être. À l'aide. Ouais. Ah. Mais tout à l'heure, il tombait dessus. Tout à l'heure, il tombait dessus. Attends, je vais tester un truc. Si je le fige, au moins il est là-haut. Est-ce qu'il tombe directement après? Non, ok, il reprend la même gravité, d'accord. Ok, donc là c'est bon. Là il rebondit derrière sur le truc, c'est bon. Ok. J'arrive à le figer. Pitié. Oh pitié. Oh après il tient bien dessus. Ok c'est bon. Ah là c'est bon hein. Lâche ça c'est bon. De toute façon c'est la prochaine boule. Là j'ai pas encore la... J'ai pas encore le truc. Voilà. Là je fige maintenant. Et là non c'est bon. Il rebondit. Il va là-bas. Hop les. Hein.
Ok. Ah, mais... Ok. Tranquille, les gars. Ah, je peux pas en mettre un plus bas? Ah, pitié. Hop, les... Bah voilà. C'est facile. C'était facile, on a pas juste mis une demi-heure dessus, ça va. Nice. C'est bon, c'est pas ce que je devais faire? C'est ça que je devais faire, non? Vous pouvez aussi mettre un bloc de double glace pour éviter qu'elle bascule. Ah ouais, tu pouvais faire ça? Ah. Ah ouais? Du coup, tu mets deux blocs, quoi. Non, mais dans tous les cas, c'est beaucoup plus simple comme ça. Ah, parce que du coup, si tu mets un bloc, ça redescend un peu. Ça bloque le truc, ça met un meilleur angle et ça part directement là-bas. Ah, bah c'est pas grave, ça marche, les gars. Eh, les gars, ça a marché, ça a marché. Ça a marché, les potes. En vrai, nous, on fait la méthode 5-Ed, c'est tout. Et tu mets 3 blocs de glace en même temps? Ok, moi je savais pas non plus. Tu vois la méthode faire que des blocs de glace? C'est trop facile. Alors que si jamais t'es là, t'actives 2 améliorations en même temps et tout, tu réfléchis à toutes les possibilités. Pff, ça c'est incroyable. Il y a des pouvoirs autant tout utiliser, hein, je te jure. Hein. Même j'allais sortir la bombe. Hein. À 2 doigts de sortir la bombe là. Hein. Donc on va aller parler à madame là. Madame qui fait des remèdes. Alors. Oh, le relais des géminés. Oh, il y a un petit shop. Oh, monsieur Terry. Vas-y. Ce sac en forme de scarabée rhinocéros, c'est mon dos. Sur mon dos, c'est ma marque de fabrique. Oh, il est gros ton sac quand même. Ok. Bon, des insectes les plus variés ou des indispensables du grand paradis. Ok. Donc ils vendent des insectes. Il peut... Les pierres précieuses et autres trésors se revendent à un bon prix. Je veux vendre. Imagine, je veux vendre. Je peux vendre quoi? Est-ce que je peux pas réorganiser? J'organise. Et du coup, c'est quoi les trucs que tu veux vendre? C'est quoi? C'est ça. C'est tout ce qui est ambre brute, opale brute. Des trucs qui vendent. Non, mais c'est peut-être des trucs que qui vont servir après. Je sais pas si je dois les vendre. Je pense que je vais rien vendre pour l'instant. Vous savez quoi? On va voir ce qu'il nous vend. Des flèches. Oh, des flèches, c'est bien ça. Des flèches en bois, j'en ai combien actuellement? J'en ai 13. La 2 dispo, c'est quoi? 60 rubis quand même, hein. Ça fait cher, mais les flèches, c'est OP. Les flèches, ça me fait plaisir à voir. Il y a des pommes à prendre, attends. Ah bah désolé hein, t'avais faim? Tu veux que je te prépare à faire des pommes? Oh la fourche, il me la faut. La fourche c'est une arme combien? Arme 7. L'âge de bûcheron d'ailleurs, l'âge de bûcheron je la garde pour l'instant. Parce que je me dis que si je dois couper des arbres encore comme tout à l'heure, ça peut être utile. Attends, et si je fume des vaches là? Imagine son chien, je le fume. Je le tue ou pas? Non, je peux pas tuer son chien. Écoute, on sait jamais. Hein. On sait jamais, hein. Servir, ça se trouve, tu peux faire du cuir. Ok, merci. Je peux cuisiner s'il le faut. Lui, il me vend des trucs, ok. Bon, les poules, par contre, les poules. On est d'accord que ça s'assume. Si je les mets au feu, là. On peut pas fumer les poules. Oh, il y a des petits nains. Comment? Ouais, je m'intéresse de fou aux chevaux. J'adore les chevaux, vas-y. C'est-à-dire que, ouais, donne-moi un cheval. Ouais. Le relais des géminés. L'écurie du relais des géminés.
Oui. Ok. Vas-y, moi je veux savoir plein de trucs. Les attraper. Les attraper, je veux tout savoir. Comme ils sont craintifs, dès qu'ils sentent quelqu'un, ils s'enfuient tout de suite. Alors il faut venir par derrière tout doucement et qu'on est assez prêt à appuyer. Ah voilà, ça c'est bon. Ils nous sentent moins quand on s'accroupit et qu'on s'approche de tout doucement. Ouais, merci. Donc ça je sais, merci. Les différencier. Les chevaux pis. Ils sont aussi gentils avec les gens. Et ceux qui ont une robe unie, une robe noire ou blanche par exemple, qui sont plus fougueux et difficiles à préviser. Mais ils sont plus intelligents, ils courent plus vite. D'accord, donc en gros, des tachetés, c'est pas ouf. Et ceux qui sont une couleur, c'est broken. D'accord. Ouais, carrément. Les apprivoiser, comme ça, quand je siffle, il y en a un qui arrive. Ouais, et quand tu le calmes? Il faut le faire quand il écoute ce qu'on lui demande de faire. Quand on monte sur lui, alors, ou alors quand on descend de lui, parce qu'il faut le remercier. Et comment tu veux... Et comment je fais pour avoir mon cheval à moi? Genre je suis là, je l'appelle. C'est quoi la touche pour appeler? Il y a une touche pour appeler. J'ai réussi à appeler tout à l'heure. Ah ça là. La touche d'en bas. Là il siffle mais y a rien. Il y a plein de PNJ en fait. Il y a plein de gens, il y a plein de vie dans le jeu. Moi je pensais qu'on était un peu dans un univers post-apo où il n'y a pas grand chose, où tu vois il n'y a personne. Finalement, il y a du monde hein. Là, le trésor de Lambda, vas-y. Dis-nous tout. Ils veulent quoi les frères? Oh, si, moi je veux. Chasseur de trésors et celui du grand voleur Lambda est à nous. Ok. Ah. Ok, ok. Ouais, ça marche. Mais écoute, lui me parle de son trésor, très bien. Vas-y. Cherche pas n'importe quel trésor, oui, ok. Non, il veut me voler de la thune, ce bâtard. 100 rubis. Non, non, non. Non, c'est sus. Après, c'est quoi ça, ce tente? Mais c'est des voleurs, ces mecs. Ça se voit, c'est des voleurs. Eh, c'est quoi, on va payer, on verra, hein. À la source céleste des flots qui coulent sous un pont jeune se déverse une cascade couleur d'argent. C'est le demi-frère d'une cousine, d'un descendant, d'un des hommes de Lambda qui me l'a dit. Alors, il n'y a pas plus sûr. Tu fous ma gueule. C'est tellement du scam. Attends, il y a une mission quand même, hein, non? Elle est sur la map et tout. Hein. Non, non, ça a l'air d'être ok. Hein. Ça a l'air d'être ok. Hein. Ça a l'air d'être ok. Bon, j'avoue qu'il m'a un peu scam pour une phrase, ce bâtard, mais tranquille. Alors, bienvenue. Tu veux te reposer dans notre habitation? J'ai pas de thune, frère. C'est quoi la différence? Ok, bon, super. Bah non, je m'en bats les couilles de me reposer plus. Je devrais plus reposer, je m'en fous. J'avoue que c'est vraiment une info de chat là qui vient de me balancer. Hein. Ah, le mystère de la lune de sang, c'est quoi? Allez. Non, non, j'ai jamais entendu parler. Ok, stylé. Le ciel prend une couleur rouge sang, très bien. Et les monstres terrassés reviennent à la vie encore et encore. Donc ils respawnent en boucle. Ok. Ça marche.